erreur. Là, si je fais des plans comme ça dit erreur. Ça fait pas ce plan, voilà. Non, non, elle dit erreur. Coca, du coca, du coca. Là, si je fais des plans comme ça dit erreur. Ça fait pas ce plan, voilà. Non, non, elle dit erreur. Coca, du coca, du coca. Du coca! Arrête, tu m'as fait peur. Surtout que t'as vu où on est. Hein. On est chez nos amis. Arrête, tu m'as fait peur. Surtout que t'as vu où on est. Hein. On est chez nos amis. Comme ça sent. Là, si je fais des plans comme ça dit erreur. Ça fait pas ce plan, voilà. Non, non, elle dit erreur. Coca, du coca, du coca. Du coca! Arrête, tu m'as fait peur. Surtout que t'as vu où on est. Hein. On est chez nos amis.
On est bien, on boit un coca. Et on est dans le meilleur endroit du monde. Le plus sécurisé au monde. Ah ouais, là au moins tu es dans un coffre-fort, non? C'est clair. Hein. C'est comme ça ici. Comme ça ici. C'est comme ça ici. Le coca est à 80 centimes. C'est dommage qu'on... Quand on ne croit pas en ta société, c'est pas qu'on n'y croit pas la société au début. Je pense pas qu'au début, quand tu nais sur Terre, tu nais chez des parents qui croient, qui essaient de te faire y croire. Sinon, ces parents-là, on leur enlève leurs enfants, c'est tout. Voilà, comme c'est dommage. Quand tu as un peu de rock'n'roll attitude, moi, comme j'en ai eu dans les années 90, j'aimais bien les films. Charlie Chaplin, bon ça c'est des vieux films. J'aimais bien les films, je sais pas, attends, je vais. Ouais, quel film déjà. Tout ce qui est avec les films avec Schwarzenegger, j'adorais. Ouais. J'avais un copain qui s'appelait à l'époque, quand j'habitais à Paris, il s'appelait Thierry Ferrière. Hein. C'est lui qui m'a fait voir les premiers de Schwarzenegger. On allait le voir, on prenait le métro à Paris. Excusez-moi, je mange ce billet. Parce qu'il fout dans ma sacoche. Alors, je ne fais pas comme Gainsbourg. Moi, je ne crame pas les billets. C'est pas que je respecte la monnaie. Hein. Tu n'es pas un héros parce que tu as cramé un billet de banque. Hein. J'en ai encore, des cartes qui font ça. Tu n'es pas un héros parce que tu as cramé un billet de banque. Hein. Tu es plutôt un zéro. Hein. Ils y tiennent vachement leur argent. Hein, tu vois. Il paraît que chaque numéro de billet, c'est... Il en manquait, attention. C'est pas vrai. Attends, j'ai que excusez quand je fais des filtres comme ça avec ma cigarette. Ouais, avec ma cigarette, je fais les filtres. C'est un peu normal parce que moi j'ai toujours aimé les cigarettes blondes, mais il y a un moment donné, on pouvait plus s'en acheter. Ouais, on pouvait plus acheter des cigarettes blondes. Alors. Après, j'ai fait des filtres. Après, ils en vendent des filtres. Mais oulala, qu'est-ce que tu uses comme filtre après? Par contre, les roulés, ça te déchire les affaires. Ah, les roulés. Moi, je parle des clopes. Ben, ouais, mais c'est vrai qu'après, il y en a, ils en parlent pas beaucoup. Ils croient qu'on fume des cigarettes frelatées. Parce qu'on vient de là, on vient de là, on vient de là, on vient de où? Comme dirait Johnny, on vient de là, on vient de là, on vient du blues. Mais non, on vient de là, l'hôpital Marchand. Souvent on arrive pour aller, bon, on passe pas notre vie à Marchand non plus, mais on vient de là. On voit que la population elle a changé en hein, Marchand. Il y a beaucoup de gens maghrébins, algériens, qui sont soignés pour leur religion, qui croient trop, ici même. Il y a beaucoup de personnes gilets jaunes aussi qui sont là, qui sont arrivées. Dans nos têtes, on peut nous faire rentrer n'importe quoi, c'est vrai. Bon, l'autre jour, je traînais dans le quartier là où il y a mon ami, hein, qui fait des vidéos avec moi. Le souci, j'ai voulu m'expliquer avec une de ses voisines qui partait en me regardant bizarrement, en me disant je ne me ferai pas vacciner de toute façon. Presque la police, parce que j'ai dû appeler la police, les services de la gendarmerie qui m'ont dit bah, bien gentiment que j'aurais pu m'empêcher de les appeler. Quand vous voyez le président qui reçoit une petite claquade, moi j'ai reçu un gros coup de poing sur le torque. Mais bon, comme tous les témoins du quartier étaient bons pour s'entendre parce que c'était chez mon ami, bah bien entendu c'était forcément de ma faute puisque d'où je viens, vous inquiétez pas, c'est la voiture, elle a un anti-brouillard défectueux, c'est marqué. Faut pas se poser de questions hein, dans ce cas. On m'a dit, moins t'en poses, mieux, moins t'as d'ennuis. Alors que moi, bon, dans ma vie, plus je me suis posé de questions et plus j'ai découvert des choses. Bon, par moi-même, bon après c'est pas trop. C'est pareil que ce que je vois sur YouTube, hein, ce que j'ai découvert. C'est pas loin de ce que j'ai vu sur YouTube des fois. Comme je disais, regarde pas ça. Donc après moi je me pose des questions, c'est dans le ciboulot, moi je me pose des questions. Je lui ai posé la question à la dame qui m'a agressé, qui voulait me taper dessus, elle ne pouvait plus me voir.
C'est pas rigolo, hein. Des gens comme ça sous des pressions, qui forcément, s'ils font trop, bah, ils atterriront là où je suis actuellement. C'est pas marrant de voir cette population modifiée à l'hôpital Marchand. C'est pas très marrant ça. Moi je le souhaitais à personne, hein, en fait. Hein. Quand on chante des chansons, par exemple sur Humour Noir, on le souhaite à personne. Hein. C'est à Genso parce que bon, on n'a pas trouvé d'autre moyen de s'appeler Humour Noir. Hein, puisque ce qu'on avait à dire dans nos blagues. Parce qu'à la fin, bon, quand on se moque trop de toi, bah, tu fais des blagues. Et quand tu fais du humour noir, généralement, c'est des blagues bien costauds. Voilà. Donc, j'appelle à YouTube de bien me comprendre. Hein, mais que c'est vrai que c'est un peu de l'infantilisme, hein, parfois, je remarque. Hein. Mais normal, on est une population, on est mondialisation. Ce que je dis là, ça peut être écouté dans un autre pays, mal interprété. Il faut faire donc attention à ce qu'on dit dans la vie, en fait. Et c'est un handicapé mental qui vous le dit, attention, hein, l'espace, et je porte les deux masques. Voilà, faut faire attention à ce qu'on dit dans la vie. Voilà. Comme c'est dommage de voir la population française, actuellement, les ouvriers français, qui sont malades parce qu'ils ne se piquent pas. Ils ne sont pas les piqueurs, hein, ils atterrissent ici. Je disais comme c'est dommage. Voilà. C'est dommage de vous voir arriver là où on était. Où vous vous êtes bien moqué de nous il y a encore quelques années. Nous, on plaint des gens comme ça. C'est dommage de vous voir arriver ici. Vous voir vous faire soigner alors que vous étiez les premiers à vous moquer de nous. Oh, t'as vu ce fou là ? Par contre, nous, on le prend pas comme de haut. Hein. Quand on dit ça, on prend pas de haut. On dit que c'est dommage de vous voir arriver parmi nous. Voilà. C'est plutôt gentil, c'est pas méchant. Ça pour deux petites piqûres. Que nous on a fait et que vous, vous voulez pas faire. Alors à cette dame là, justement, j'ai expliqué que j'ai répété bêtement, par exemple. J'ai répété bêtement. Est-ce que j'ai été bête? Ça je le reconnais. J'aurais pas dû le dire. J'ai dit que c'était de sa faute si on portait des masques encore. Donc je le regrette, je m'excuse envers cette dame. Mais elle n'avait pas à s'énerver comme ça autant en fait. Comme c'est dommage de vous voir arriver chez nous parmi nous. Comme c'est dommage. Comme c'est dommage de vous voir arriver parmi nous. On a chanté des musiques, on ne vous a pas fait croire des choses. On a chanté des musiques parmi nous. Ben voilà mon ami. Un ami. Et un véritable ami. Ça, c'est dommage qu'on ouvre plein de trucs comme ça après. Voilà. Voilà. Après, t'as pas d'autre choix que d'aller te faire soigner ton cancer là, tu vois. Super dommage. Hein. Le centre. Voilà, ce qui est en place à ZDF quand il y a eu l'ammonium qui a pété. Enfin, soi-disant l'ammonium. Moi, je dis, c'est dommage que les gens après ne comprennent pas, en fait, qu'ils nous aient pas compris, qu'on nous agresse encore. Pour des choses qu'on n'a pas compris, nos messages. C'est dommage que vous fassiez après enfermer comme nous là. Arrête, tu m'as fait peur. Surtout que t'as vu où on est. Hein. On est chez nos amis. On est bien, on boit un coca. Et on est dans le meilleur endroit du monde. Le plus sécurisé au monde. Ah ouais, là au moins t'es dans un coffre-fort, non? C'est clair. Hein. C'est comme ça ici. Comme ça ici. C'est comme ça ici. Le coca est à 80 centimes. Et comme je disais, la population a changé. Et c'est plus les mêmes. Non. Changement de vogue, changement de pâturage. Oh, arrête, c'est bon. Tout ce qu'on dit, c'est qu'on aime le coca. Et quand il est bien glacé, tu vois. Coca.